يزر مشروع مركز إنتاج طاقي مكتف بإنتاجه. بعض من ملامح إطلاق العمل بالمحطة الفوتوضوئية تزر واحد اليوم، وهي أولى محطتين تنتجان الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة مركزة قيمتها 10 ميجاوات في مرحلة أولى. Le décapage du terrain et la réalisation des routes étaient le point de départ du chantier de Tozer 2. En effet, bordures et canalisations ont été réalisées avec environ 1 km 350 m de route enrobée. Plusieurs points d'éclairage autonomes et caméras de surveillance seront installés dans la centrale. Après la levée topographique et avec la livraison des pieux en acier galvanisé, commencent leur battage dans le sol. Ces pieux sont les éléments de fondation des structures support des panneaux photovoltaïques. Au total, 12 460 pieux seront battus. Avec la réception des composantes des structures, commence le montage des 763 tables. C'est un ensemble de tables élémentaires galvanisées orientées vers le sud et ayant une inclinaison fixe de 30 degrés. Angle optimal pour la collecte du rayonnement solaire dans cette région. Elles supporteront la charge statique du poids des modules et garantiront leur fixation contre la force des vents. Sur chaque table seront installés 38 modules photovoltaïques en deux chaînes de 19. Le module photovoltaïque fait 2 mètres de long sur 1 mètre de large. Il est de type monocristallin et de puissance nominale unitaire de 345 watts crête. Dans les conditions d'essai normalisées, une température de 25 degrés Celsius et un éclairement de 1000 watts par mètre carré. La distance entre les rangées des panneaux est de 5,40 m afin de réduire au maximum l'effet d'ombrage avec la rangée précédente. Au total, 28 994 modules photovoltaïques seront installés. Avant l'arrivée des postes de transformation, il y a lieu de préparer leurs pieux de fondation en béton, ainsi que les chambres de tirage de câbles. La centrale comporte 5 postes de transformation. Chacun d'eux mesure 6 mètres de long sur 2,5 mètres de large, avec une hauteur de 2,60 mètres et un poids de 12 tonnes. Comme le bâtiment de commande est un conteneur en béton préfabriqué, il y a lieu de préparer la plateforme qui va l'accueillir. Le poste de livraison fait 11 mètres de long sur 6 mètres de large avec un poids total de 114 tonnes. Il abrite tous les équipements électrotechniques nécessaires pour le fonctionnement de la centrale, à savoir un poste GIS, un local TGBT, une salle de batterie de secours et deux locaux pour transformateurs auxiliaires. À côté du bâtiment de commande se trouve un magasin réservé pour le stockage des pièces et panneaux de rechange. Puis commence l'excavation et la mise en place des câbles d'essai qui vont interconnectionner les boîtes de jonction avec les sous-stations, ainsi que les différents autres câbles nécessaires pour un bon fonctionnement de la centrale. Pour la pose des câbles MT qui vont relier les sous-stations au poste GIS, on procède à une excavation de tranchées. On pose le câble de terre, puis les câbles MT, de groupement trèfle fixé par des serre-câbles, le câble à fibre optique, avec à chaque fois une couche intermédiaire de sable expurgé de tout gravillon.
la pose de la bande de signalisation et enfin le remplissage final du tranché par remblai provenant des fouilles. Une protection mécanique supplémentaire entre le poste de livraison et le poste 150-33 kV de Tozer. Pour les différents branchements électriques côté sous-station, on procède à un premier raccordement des câbles d'essai. Puis, un raccordement des câbles NT dans la cellule côté transformateur. Le câble fibre optique, lui, va assurer la liaison entre les sous-stations entre elles, ainsi qu'entre les sous-stations et la salle de contrôle. Et enfin, le câble data. Après la décharge et le montage des boîtes de jonction, commence l'installation des rallonges solaires 10 mm² sur les rails oméga de la structure. Puis, les différents raccordements électriques. Des câbles d'injection de courant continu, les câbles solaires, le câble data et le câble de terre. Au total, 80 boîtes de jonction ont été installées sur toute la centrale. À leur sortie des sous-stations, les câbles MT seront raccordés dans les cellules arrivées du poste GIS. L'interconnexion de la centrale avec le poste 150-33 kV a été établie à travers un caniveau portant deux départs HDA 30 kV de section 300 mm² ainsi qu'un câble à fibre optique qui assure la remontée des informations vers le poste. Avant la connexion finale avec le poste HDMT de Tozer, il y a lieu de faire tous les tests nécessaires sur les câbles. Pour finir, une interconnexion définitive entre le poste GIS et le poste HTMT de Tozer. Côté PTR, et après le test de polarité, une vérification de la tension d'essai à l'entrée de chaque onduleur a été réalisée. Un ensemble d'essais des services auxiliaires des PTR a été validé. Aussi, une régulation de la plage de tension du transformateur de puissance 2 MW a été ajustée. Finalement, la mise en marche des onduleurs a été effectuée à distance, et ce, en injectant les premiers kilowattheures sur le réseau STEG et qui sont affichés instantanément sur les systèmes de contrôle SCADA. La salle de contrôle permet de gérer instantanément à travers le logiciel SCADA la quantité d'énergie produite et détecter en temps réel les éventuelles pertes d'énergie, ainsi que d'autres anomalies et dysfonctionnements. Elle permet aussi le contrôle de la station, tels que le rayonnement solaire, la température, la pression et la vitesse du vent. La réalisation d'une deuxième centrale photovoltaïque, ainsi que l'implantation d'autres centrales de type éolien et photovoltaïque à l'intérieur du pays, n'est que preuve de volonté de la part de la STEG pour faire réussir le plan solaire tunisien qui prévoit d'atteindre une production équivalente à 30% de la capacité totale d'électricité produite à partir des énergies renouvelables d'ici l'année 2030. C'est la STEG. Toujours fidèle à ses engagements, aussi bien envers le citoyen que l'économie nationale.